Coucou, lundi matin, me revoilà. J'ai fait une super nuit. Bah oui, parce que à un moment donné, je pouvais plus. J'ai dit, allez, stop, tu coupes tout. J'ai mis tout en mode avion parce que je recevais plein de messages sous ma dernière vidéo. Merci, merci beaucoup d'ailleurs. Et j'ai réussi à faire mes 8 heures de sommeil. Et la base, c'est quoi? Bah, la base, c'est le sommeil pour que tout le reste aille bien. Voilà, donc j'ai évidemment décidé de vlogger et je vais vlogger pendant tous ces moments. Donc ce sera forcément à la maison. Moi je pense, et depuis le début, je pense qu'on va être confinés d'ici, je vois bien, d'ici mercredi, tu peux plus. On nous annonce ça mardi et mercredi, tu sors plus du tout, du tout, du tout. Sauf, bon, bah, pour aller chercher tes petites coursettes et puis tes renouvellements de médicaments. Mais moi, je sentais ça déjà depuis un moment, donc je pense que ça va être une bonne chose en même temps, vu comment les gens respectent pas du tout. Sur ce, je vais quand même ouvrir mes volets parce que c'est un petit peu tristoun, il doit être quoi? Il est 8h? 8h30, un truc comme ça. D'abord, je commence par mon jus de carotte avant d'ouvrir les petits volets. Et avec, bah, je finis ma cure, c'était sur 10 jours, donc là, ouais, elle est quasiment finie. Acérola, guarana. Pareil, combien il me reste de café, moi? 1, 2, 4, 6. 7, 8, donc 4 jours, vu que c'est un chacun. 4 jours de café. Faut qu'on en rachète. Faut que je rachète de l'eau. J'en ai plus. Du sopalin. Descends, mon Jackie. Descends, bébé. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Normalement, c'est 2 cuillères. Bon, on va mettre ça. Hop. Me voilà fin prête. Ouf. Cadre, quand même, cadre. Tenue du jour. Ça va s'arrêter ici. Ouh, pantalon de pyjama. Ben oui, quand on reste chez soi, on est quand même en mode à l'aise. Mais je vais pas me présenter sans make-up, sans tout ça. Même si, je viens de me rendre compte, c'est fou, hein. Le comble de l'influenceuse, c'est de tomber en rade de fond de teint. Sérieux, je n'en ai pas racheté. Mais bon, j'avais pas anticipé non plus la chose là-dessus, de me rester ça. C'est pas grave, hein. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo, une face cam, que vous aurez peut-être vue hier, dans laquelle... Ce qui également est très paradoxal, venant d'une anxieuse comme moi, je vais essayer. Je vais vous expliquer, vous parler de différentes choses. Et puis après, bon, on va enchaîner sur cette petite journée à la maison, hein, tous ensemble. J'ai oublié ma perche là-haut. J'ai terminé mon tournage et je suis bien contente. Je l'ai faite vraiment de façon spontanée. J'ai rien préparé, j'ai rien écrit, j'ai tout sorti comme ça, tout ce qui me venait. À l'esprit et bah, je suis contente déjà de pouvoir vous mettre du contenu ce soir. Là, j'ai grignoté parce que comme je vous le disais précédemment, j'ai beaucoup de mal à manger là. Depuis 2 jours, ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. Donc je me force. En tout cas, Eric me met la pression pour que je mange. Là, je me suis fait un petit plat. J'arrive pas à le finir. C'est pas vrai. Je suis en train de dire, j'arrive pas à le finir. Il y en a d'autres qui réussissent ça. On va pas se fâcher tous les jours. Bébé Zaki. Ah non, hein? Bon, je sais plus où je vous avais laissé. Si, au moment où Jack est en train de me piquer mon assiette, je viens de me mettre. Attendez, je descends parce que la lumière est pas terrible. Je viens de me mettre de la crème de karité parce que mes mains sont défoncées, clairement. J'ai jamais eu des squames comme ça. Attendez. Je sais pas si vous allez voir. Parce que je me lave, bah, comme tout le monde, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop les mains. Et à l'alcool et au machin, même si je reste chez moi en fait. Un peu tarée la fille. On va se poser ici. Il y avait des bijoux qu'il fallait que je vous montre, que j'ai reçus d'une marque, donc en collab, mais en fait, je me dis que c'est absolument pas judicieux de vous montrer maintenant. Parce que déjà, c'est une marque basée à New York. Même si je pense que le siège, enfin pas le siège, mais là où il y a les bijoux, c'est plutôt en Europe. Je crois que ça vient d'Allemagne d'ailleurs. Ça venait d'Allemagne donc. Vu que l'Europe va être totalement bloquée, je pense pas que les expéditions, enfin tout ça va être bloqué. C'est pas très très. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Faut que je contacte la marque et que. Ben, on reporte, hein, comme beaucoup de choses. Je vais me remettre à bosser sur mon projet secret. Que je vous dévoilerai, de toute façon, c'est sûr, sûr, sûr. Vous allez être mis au courant de ce que je prépare. Par rapport à cette situation, c'est pas gênant plus que ça parce que je comptais pas non plus commencer ce projet tout de suite, enfin dans les médias. J'avais besoin de plusieurs mois, donc en plus ça va être des mois qui vont me permettre de bien structurer les choses,
bien y réfléchir, de poser calmement. C'est un très beau projet qui me tient à cœur, qui, je trouve, me représente. On est à plusieurs. En tout cas, j'ai d'autres personnes qui vont m'aider dans ce projet-là. C'est cool, franchement, c'est cool. J'espère que ce beau projet pourra voir le jour, et c'est même pas j'espère, il va voir le jour, il n'y a pas de raison. Je vais donc m'y mettre. Oula. Mais il fait super sombre, il est 6h17. Ben non, ça va pas du tout ça. J'ai pas bossé, je n'ai rien fait du tout, du tout, du tout de productif, c'est pas grave. J'aurai tout le temps de le faire. J'ai fait quoi du coup? Ah ben je me suis posée, tout simplement. Je me suis reposée, je me suis posée et j'ai bouquiné. Et ça fait un bien fou. Alors, il est quelle heure là? Il est 7h40 et Eric est au fourneau. Tu nous prépares quoi, bébé? Des pâtes. Des pâtes avec, j'ai vu qu'il y avait du poulet, c'est ça? Ah bah oui. La surprise du chef, quoi, en fait. Et on a Jackie qui est là, qui attend. C'est une base de. Alors, les gens veulent connaître mes secrets. Ouais. Des cubes de filet de poulet. Ouais. Coupés, menu, haché, menu, tout à la main. C'est important de Oh, couper t'en fais pas trop quand même, hein, dans toi. la fibre du filet. N'importe quoi. Ensuite. T'as pas travaillé en cochon? Non mais pourquoi t'as sorti tout ça là? Ouais, alors ça m'énerve. Bon d'accord, vas-y. Hein? Oh le tablier dans l'état. Mon panier, ma soeur. Il y en a partout, partout. Moi j'aime bien quand c'est toi qui fais à manger. Oui, moi aussi, j'aime bien quand c'est les autres. Quand tu Mon remues panier, tes ma pâtes, non, soeur. je te dis ça parce que toi tu le fais pas. Vas-y. Quand tu remues les pâtes, c'est Oui. une cuillère en bois, hein, c'est pas avec. Je vous prends 22h24. Après bah, le discours. Le discours qui, moi, je vais vous dire très clairement, son ton, j'ai aimé le ton qu'il a pris parce que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins anxiogène que la dernière fois. Perso, moi, j'avais besoin de ça. Après, moi, j'ai bien compris dans son discours qu'il y avait confinement. Il y a confinement pendant 15 jours. On n'est pas con, on a compris, quoi. Je veux dire, les gens qui disent j'ai pas compris, c'est pas assez ferme. Mais encore une fois, c'est du bon sens. Tu ne sors plus, point final, sauf si tu as besoin des premières nécessités. Il a parlé de 15 jours parce que. Bien évidemment, ça va être encore 15 jours de plus et sans doute 15 jours de plus, je pense. Mais voilà, il y va crescendo. On verra. On verra. C'est à partir de midi, je crois, demain. Voilà, sinon, bah, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête là, ici. Mais bon, je pense que c'est voilà, le fait de ne pas bien dormir, de ne pas manger beaucoup, le fait d'être fatigué, d'être stressé. Hein, on va dire que c'est ça, je l'espère. Alors, je reprends le contrôle, je vous reprends, nous sommes. Putain, je sais même pas quel jour on est avec tout ça. Je sais pas. On est mercredi, on est jeudi. Hier, j'ai pas vlogué, donc je vous ai laissé avant-hier où j'avais très très mal à la tête. Donc hier, je n'ai pas tourné parce que bah, j'allais pas bien du tout, clairement, plus la trouille, forcément. Comme je vous disais. Non, pas comme je vous disais, je n'en ai parlé sur Insta. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, comme je mangeais pas beaucoup, je me suis déshydratée parce qu'en même temps, j'ai fait, d'après le médecin que j'ai appelé deux fois, donc il m'a dit de contrôler ma fièvre et tout, une très grosse gastro parce qu'il semblerait qu'il y ait une grosse épidémie en plus du gros virus de gastro-entérite. Mais bon, donc hier, c'était vraiment, vraiment pas folichon mon état. Donc bah, j'ai pas pu tourner, j'ai même pas pu monter le vlog qui était prêt, mais. J'ai pas réussi, je n'ai pas réussi. Donc aujourd'hui, suite aux médicaments, j'ai pris de l'homéopathie. Ça a super bien marché sur moi. Vraiment, vraiment bien. Ça a stoppé tous les autres symptômes désagréables. J'ai pas mangé plus que ça ce matin. J'ai mangé une tartine. Hier soir, un peu de riz. Ce midi, je vais me forcer à manger le reste de riz. Quand même, parce qu'il faut que je mange. Et ça va quand même nettement mieux. Nettement mieux, ça c'est cool. Eric, ce matin, est allé au drive. On avait fait une commande hier. Hier soir, hier après-midi, en fin d'après-midi, on a fait une commande drive et bah, on a pu aller chercher ce matin, 11h. Donc ça c'est cool, on a ce qui nous manquait. Il n'y a que deux choses qu'on n'a pas, c'est du beurre et croquettes pour chat, mais c'est pas gênant, j'ai deux paquets, mais c'était pour voir venir. Bah oui, bébé chaton, bien sûr, mais il a ses croquettes, hein, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Sinon, en termes d'autres trucs, on a tout ce qu'il faut pour tenir un bon moment.
Ce que je disais aussi, finalement, si le drive marche encore dans les jours à venir, j'ai appelé ma maman, je lui dis bah, parce que je veux pas qu'elle sorte, voilà, même pour ses courses, qu'elle est allée à Leclerc, enfin, j'aime pas savoir qu'elle est allée chercher ses courses. Je lui dis, écoute, maman, la prochaine fois, tu me dis ce que tu as besoin et nous, on te prend et on le laisse dans le jardin comme ça, quoi, ce sera plus simple. Enfin, faut être raisonnable. Donc voilà. Et bah, je voulais vous reprendre quand même, hein, normal, et puis continuer cette journée ensemble, mais dans le vlog de demain. Là, je vais clôturer, vu qu'il y a eu quand même, c'est un double vlog. Je voulais quand même vous faire un gros gros bisou, et puis vous dire du coup à demain. C'était juste les petites nouvelles du jour. Ciao.